Wesh les mecs, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les refs, vous allez passer 24 heures avec nous pendant le bac. Je sais pas si vous vous rendez compte là, nous deux, Elliot et Lilian, on va passer le bac. L'épreuve qu'on nous parle depuis des années, tu fais le collège, le lycée, demain on va le passer. Donc vous allez voir un peu comment ça va se passer de notre côté, les petits backstage du bac. Voilà, si ça peut détendre certains qui vont le passer bientôt. Et plus force en tout cas à tous ceux qui passent le bac comme nous. Les mecs, ça va être vraiment chaud, mais là on doit pas se fail. Bref, en tout cas on perd pas plus de temps, on vous emmène directement avec nous pour le bac. Let's go. Là les frérots, vous pouvez voir tout simplement nos petits bureaux de travail. D'ailleurs qu'on utilise beaucoup hein Elliot hein. Ouais, franchement on les a beaucoup utilisés pour réviser le bac. Depuis hier je suis à la bibliothèque, je les ai emmenés à la bibliothèque. On n'a pas lâché. Non en vrai les refs, regardez-moi ça, on n'est pas bien organisé frérot. Bon je vous mens pas les gars, c'est grâce à notre daronne hein, parce que sinon nous, 30 minutes avant de partir au bac, on aurait fait nos affaires. Là les gars, notre daronne, vous connaissez, on nous a tarté un peu. Du coup, petite présentation de ce qu'on va prendre pour notre épreuve de demain. On va prendre simplement des petits stylos surligneurs, tu connais frérot. Ensuite là les mecs, on a des fiches de révision qu'on va lire demain matin, parce que vous connaissez hein, tout se joue demain matin. Ensuite la calculatrice qui nous servira sûrement à rien, parce que les gars les formules elles sont impossibles. Là les gars, les stylos pour écrire on en a pris deux, alors que là tu vas écrire 3 pages après tu vas arrêter. Là les mecs, encore des fiches de révision, calculette, les stylos vous connaissez bien sûr. Ces stylos c'est les meilleurs, je ne sais pas écrire un 4 couleurs. Et puis frérot, t'allais oublier le plus important, sans ça on peut même pas passer le bac. La petite convocation avec la carte d'identité. Et ouais les mecs, parce que oh je dois me dire, imagine il y a combien chaque année, ils habitent loin, ils y vont et ils oublient juste la carte d'identité ou la convocation. Les gars, tu vous jure, tu passes même pas le bac. Frérot, t'as beau être en terminale, montrer tout ce que tu veux, tu passes pas le bac. Par contre, nous les gars, il y a un truc qui vous c'est la merde, c'est que demain, ce qui paraît, c'est grave chaud parce qu'il y a une grève et une grosse grève. Et du coup, à ce qui paraît, il peut avoir des blocus. À ce qui paraît, il y a des profs qui doivent surveiller des salles et qui vont faire des grèves. Oh là là, imagine, on n'a pas de prof qui surveille la salle ou demain on arrive, il y a un blocus. Ça serait bien à côté, mais en même temps, frérot, on a révisé et tout. Il faut que ça se termine vite et comme ça, le bac il est terminé quand même. Mais après, c'est vrai qu'une petite semaine de vacances encore, ça ferait pas de mal. Bref, là, en tout cas, c'est parti. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va pas se coucher tard, tu vois. 22h, 22h30. Sachant que demain on commence à 14h. Donc ça va, ouais. Tu vois, on commence pas à 8h du matin, on est endormi et tout, tu vois. Et nous on a du temps. Et mec, nous on a 8h de route, on a 8 péages, on doit prendre un jet privé. Donc on doit se réveiller à je sais pas quelle heure. Mais en tout cas, si on a la motive, ce soir on essaiera de réviser dans notre lit. Mais bon, ça va être chaud. Puis... Gros, si on trouve la motive, tu vois. Si on trouve un petit peu de motive, sinon les gars, ouais, ça ira se coucher direct. Hein. Bref, en tout cas, bonne nuit et à tout à l'heure. Et on se retrouve demain matin. Il est actuellement 10h et c'est le jour J du bac les refs. Les mecs, je n'y crois pas, je vous le répéterai peut-être 50 fois dans cette vidéo. Mais Lilian, dans quelques heures, on va passer le redoutable bac. Donc là, on s'est levé il y a à peu près 30 minutes. On a déjeuné, on s'est habillé et là on a 1 heure devant nous. Donc pendant ces 1 heure les gars, on a 2 missions. Il faut tout simplement aller au Carrefour pour acheter une petite boisson, des petits bonbons. Parce que je sais pas vous les gars, mais moi ça me permet parce que je n'arrive pas à rester les gars plus de 30 minutes devant ma copine. À chaque fois je m'endors. Alors que si tu manges, tu bois, ça te réveille cash. Comme ça, ça va apporter un peu, tu vois, les petites vitamines, les petites munitions qu'il faut pour le bac. Et surtout que les gars, au bac blanc, j'avais une technique. Quand je mangeais des Haribo, je sais pas pourquoi, ça me donnait du peps. Et j'avais l'impression que j'étais plus puissant et j'écrivais plus vite la vide. Que je rigole pas, les gars. Attendez, regardez dans le ciel. On s'en bat les couilles. Tu crois que c'est des mini potions ou quoi, frérot? Il m'a dit ça lui donnait du peps. Les mecs, en tout cas, ça va bien nous aider pour ce bac. On en aura besoin. Et ensuite, les refs, la deuxième mission, c'est de réviser une fois pour toutes, frérot. Là, c'est ça sera la dernière révision et après, ça sera mort. En tout cas, nous, pour ceux qui se demandent pourquoi on part aussitôt, c'est que nous, on va à midi, comme ça, on est avec nos potes, on se détend, on est tranquille, on n'arrive pas, genre 20 minutes avant le bac, t'es stressé et tout. Là, on arrive en détente avec tout le monde, comme ça, dans la bonne ambiance. Vas-y, bah, go au Carrefour, hein. On est bien arrivé. Regardez-moi ce magnifique temps. Oh, frérot, ça, c'est pas un temps à passer le bac. Ça, c'est un temps d'aller bronzer soleil, faire du ski et tout, frérot. Bon, les mecs, je crois qu'on arrive à notre paradis. Hein. Regarde-moi ça, tous les bonbons, les Kinder. Oh là, t'as le choix, mon frère. En vrai, Lian, là, faut prendre des trucs stratégiques. Hein. Pas trop cher. Oh. Attendez, les gars, on va rader. Eh, je crois que je vais prendre des Scooby-Doo. Ah non, 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 mais t'es fou, ça, c'est dégueu, ça. En vrai, ça passe bien. Non, non, ça passe pas du tout. Ah, ok. Lian, non, non, t'en penses quoi de ça, là? Ah non, mais non, c'était fou, frère. Ou alors ça? Ouais, je crois qu'on va rien prendre en fait, les gars. Vas-y, les refs, moi je prends des Scooby-Doo, ça y est, frérot. Valeur sûre, ça passe crème. Les mecs, je crois que moi je vais partir sur ça. Hein. J'avais eu ça, les gars, au premier bac et ça m'avait bien porté chance. Hein. Ça t'a bien porté chance, frérot. T'as eu 9 à l'écrit. Ah, mais vous écoutez pas. Et puis, Lilian, on a des petits trucs. Ah, ouais, il va prendre 2 bonbons en fait, les gars. Lui va faire une dégustation. Il va passer le bac en fait. Et il prend quoi? Et il prend ça. Ça, les gars, c'est exceptionnel. Non. Allez, là, franchement, je vais avoir mon bac grâce à ça. Bah, les gars, on est super. Hein. Imagine, tu le rates alors que t'as payé 10 balles de bonbons. Le bac le moins rentable de la terre. Et les mecs, comme boisson, Lian, il a pris un petit pot au Red
2 euros ça, wesh, c'est un fou lui. Moi je prends un grand ice tea les gars pour 1,60€. Let's go. On est vraiment parti sur une dégustation les gars. Je vous jure, il a pris une bouteille de cette taille, wesh, c'est quoi ça? Bon bah pour les courses les mecs c'est carré. C'est parti les gars, on va ranger du coup toutes nos fournitures dans le sac mon pote. Tu vois? Oh les mecs, vraiment pas. J'aurais eu les gars les bonbons et la boisson de lignan, j'aurais pas eu mon bac là. Eh les gars, c'est un fou lui, frérot. Il a acheté des trucs, laisse tomber frérot, il va faire une dégustation pendant le bac. Bref, là c'est parti, on a nos fiches de révision frérot. Oh là là. Regarde ce qu'on doit réviser gars, programme management, je sais pas quoi. Là c'est parti, il faut réviser programme management. Ouais, parce que pour ceux qui se demandent les gars, parce que le bac STMG hein. Ouais voilà. Et en du ressources coup, là... humaines, pas en... Ouais, pas en marketing ou pas en truc, bref. Et les gars là c'est management, du coup c'est parti les gars hein. Regardez tout ce qu'on a révisé, schlac. Dernière révision, bref, let's go. 2 hours later. T'arrêtes de parler quand tu lis gros. Ouais, je suis attiré à la carrelage ou quoi? Moi je t'assure, c'était juste toi que tu t'es assis sur une chaise. Flop. C'est. Hey, je vous mens pas les refs, ça va être chaud. Je suis en train de dire et tout, mais. Genre, c'est des trucs, t'as vu? T'as l'impression que t'as acquis. Mais quand ils t'envoient ta copie, gros, t'oublies tout. C'est abusé. Ouais, je peux pas finir la page. J'ai l'impression que les mots ils veulent pas s'arrêter, frérot. C'est un dictionnaire le bail. Moi, c'est terminé, mon ref. Les gars, c'est parti, du coup on a terminé la petite révision. Là il nous reste un peu de temps, donc ce qu'on va faire, c'est que je pense, tu vois, on va se détendre et tout. Et puis après on ira manger les gars. D'ailleurs il va être que 11h, on va déjà manger parce que frère, faut qu'on descende direct après. C'est une grosse journée qui nous attend, mais nous allons le faire. Les mecs, c'est parti pour prendre défense avant le bac, là on va se régaler. Bon mon ref, idiot, là il n'y a pas de ralentir frérot. Là c'est le moment les gars, le stress il commence à monter frérot. Pas de ralentir, pas de frein les mecs, c'est parti, jour du bac, Lyon là pour l'avoir. On est dans quelques heures de passer la plus grosse épreuve de notre vie. 15 ans d'école pour ce jour J, donc on espère pas foirer tout ça. Et puis vas-y Nathan, bonne chance à nous les refs. Hein. Bonne sur vous, souhaitez-nous bonne chance dans les commentaires. Allez vas-y, bonne chance mon ref. Ok mamie, avant. Bon les frérots, c'est prêt pour l'épreuve, let's go. Bon les refs, je viens de sortir, épreuve terminée, oh là là. Frérot, il y a actuellement raté les gars, je vous montre l'heure. 18h05 les refs, 18h05 je viens de sortir. Je suis resté les 4h, la Yoss il arrive maintenant de ranger ses affaires. Oh j'en peux plus les refs, je suis mort. Bon les refs, du coup, petit débrief à chaud. Là on est en train de rentrer chez nous. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit 4 heures de bac là? Les gars, déjà je suis sorti, j'ai vu tout le monde dire ouais c'est impossible, c'était impossible, on n'a jamais eu ça, c'était trop dur. Moi franchement les mecs, en vrai ça va. La vie les gars, juste j'ai trop la mort. Parce que je voyais tout le monde où ils ont dit ouais c'était impossible les calculs, c'était trop dur. Moi franchement, j'avais pas révisé les calculs et je les ai tous réussis. Bon Elliot du coup il a plutôt bien réussi. Moi bon, les gars, c'est la cata. Oh mais c'était trop dur. Dites-vous, là il y avait un truc sur les calculs, une page entière, genre un dossier. J'ai rien fait. Les gars, c'était trop dur. Oh les mecs, par contre j'ai trop la mort. Parce que là je me suis dit vraiment les gars, mais vraiment là pour moi je... Sauf sur un calcul les mecs, j'ai mis que c'était le prix tout taxe comprise alors que c'était le hors taxe. Et du coup tous mes calculs sont morts. Mais après les gars, il y a le raisonnement et tout, t'as vu, donc ils vont lui mettre des points. Ouais, mais ça va, tu te plains de ça frérot, moi j'ai même pas fait un seul calcul tellement que c'était dur. En tout cas les gars, franchement, j'espère que... Je sais pas les gars, je m'attends rien, je peux pas imaginer combien je vais avoir de notes. J'espère au moins avoir une bonne note. En tout cas les mecs, c'était vraiment long. Au début j'arrivais pas, je crois encore une heure et demie. En tout cas là c'est parti, let's go rentrer chez nous. Et puis voilà, oh, putain j'ai mal au bras, j'ai mal au pouce, 4 heures sur une chaise ça faisait... Après je me suis levé, j'avais la tête qui tournait mon pote. C'est la fin de la journée les refs, il est actuellement 20h. Et quelle journée les gars, quelle journée. La vie les gars, j'en peux plus alors que je suis resté 4 heures assis sur une chaise. Mais la tête d'homme, faut pas croire, c'est épuisant quand même les mecs. Ouais frère, ton cerveau il réfléchit, ça arrête pas pendant 4 heures, ça bombarde. Et après je te jure t'es mort. En tout cas les gars, il y a des corrigés qui sont sortis et tout. C'est pas les officiels hein, mais on est vraiment dans la sauce les mecs, c'était les vraiment gars, trop dur. J'ai hâte de voir nos résultats. De toute façon je pense on vous fera une vidéo les gars, nos résultats du bac. Donc dites en commentaire si vous en voulez une et avec nos réactions et tout, tu vois. Mais je pense
pense qu'on vous mettra genre nos vrais résultats. T'as vu quand ça sera en plein milieu d'été. Tout officiel genre. Mais en attendant les gars, nos résultats quand ils sortiront en avril, on vous les mettra sur Instagram. Donc venez nous follow sur Instagram, il s'affiche juste là. Et comme ça vous aurez des petites notes en avance. En tout cas les refs, c'est qui fait le petit 24h avec nous pendant le bac. Comme d'hab, n'oublie pas de lâcher le plus gros pouce bleu. Abonne-toi, active la cloche, ça régale mon frérot. En tout cas, dites-nous en commentaire vous comment s'est passé vos épreuves de bac. Si vous avez réussi, quelle note vous pensez avoir et tout. Et puis si elles sont déjà sorties vos notes, dites-nous quelle note vous avez eu. Et puis vous inquiétez pas les refs, on va tous avoir le bac à la fin de l'année. On va être incroyable. Enfin je dis ça les gars, mais peut-être qu'il y a personne à côté de moi, il l'aura pas. Hein. Ah abuse pas quand même. J'espère l'avoir avec mon son très bien. Et puis les refs, nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et prochain live. C'était Elliot et Lilian. Allez, ciao, ciao. Peace les potes.